Nous avons pu voir que dans les zones de subduction, on avait des roches magmatiques. Les roches volcaniques, qui étaient les andésites ou les rhyolites, qui n'étaient pas complètement cristallisées, qui avaient une texture microlithique et qui étaient issues du refroidissement rapide d'un magma. Et les roches plutoniques, qui étaient grenues, c'est-à-dire qui avaient des cristaux jointifs, qui étaient donc entièrement cristallisés, et qui étaient issues du refroidissement lent d'un magma. Quoi qu'il arrive, ces roches magmatiques nous montrent que dans les zones de subduction, un magma s'est formé et a été à l'origine de ces roches. La question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est comment expliquer la formation d'un magma dans les zones de subduction. Et pour commencer à répondre à cette question, on va étudier ce document-là, qui est un document assez complexe, puisque c'est la superposition de plusieurs graphiques. Tout d'abord, on peut regarder la courbe rouge. La courbe rouge correspond au géotherme des zones de subduction. Le géotherme, c'est quoi? C'est l'évolution de la température avec la profondeur. Si on regarde ce graphique, on peut voir qu'à 80 km de profondeur, la température dans une zone de subduction est légèrement inférieure à 1000 degrés. Tandis qu'à 240 km de profondeur, la température dans une zone de subduction est inférieure légèrement à 1500 degrés. Donc voilà, cette courbe rouge nous montre l'évolution de la température avec la profondeur dans une zone de subduction. Ça, c'est la première courbe. Ensuite, on a surimposé sur ce graphique une autre courbe qui est les conditions, les différents états de la péridotite selon ces conditions de température et de pression. Donc, on regarde par exemple les courbes vertes. Ces courbes vertes, elles ont été obtenues par des expériences en laboratoire sur une péridotite sèche. Une péridotite, c'est une roche du manteau. Et lorsqu'on voit ces courbes-là, en fait, ça veut dire qu'en laboratoire, on a soumis une péridotite à différentes conditions de température et de pression pour déterminer dans quelles conditions de température et de pression les péridotites du manteau étaient solides, dans quelles conditions de pression et de température les péridotites du manteau étaient en partie liquides, c'est-à-dire avaient subi une fusion partielle, et dans quelles conditions de pression et de température les péridotites du manteau étaient entièrement liquides. Cela nous permet de tracer deux courbes, celle que l'on appelle le solidus sec, c'est-à-dire la limite dans les conditions de pression et de température entre une péridotite totalement solide et une péridotite en partie fondue, donc solide plus liquide, et la courbe du liquidus qui nous montre les conditions de pression et de température qui limitent en fait la péridotite en partie liquide de la péridotite totalement liquide, c'est-à-dire totalement fondue. Donc en fait, grâce à ça, on peut voir les conditions de fusion partielle de la péridotite du manteau et les conditions de fusion totale de la péridotite du manteau. Sachant que dans la nature, la fusion totale d'une roche est impossible. Ok? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans les zones de subduction, on a des roches magmatiques, les roches plutoniques et les roches volcaniques, et on a pu voir que ces roches étaient issues d'une fusion partielle d'une péridotite, c'est-à-dire d'une fusion partielle dans le manteau. Quand on observe ce document, on peut voir que le géotherme des zones de subduction ne croise jamais la courbe du solidus. Ça, c'est une façon de parler, puisque dans la réalité, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans une zone de subduction, la température n'est jamais suffisante pour faire fondre partiellement une péridotite. Jamais les conditions de température permettent d'atteindre le solidus et donc de permettre une fusion partielle et d'avoir un liquide qui se forme, donc un magma. Ça, c'est très problématique puisqu'on a dit que dans les zones de subduction, on observait des roches magmatiques, les roches volcaniques et les roches plutoniques. Si on observe des roches magmatiques, c'est qu'il y a un magma qui s'est formé et on a dit que ce magma était issu d'une fusion partielle d'une péridotite. Or, quand on regarde ces courbes, les courbes vertes et le géotherme, la courbe rouge, théoriquement, une péridotite ne devrait jamais fondre dans une zone de subduction, puisque dans une zone de subduction, la température n'est jamais suffisante pour faire fondre une péridotite sèche. Cependant, lorsqu'en laboratoire, on fait la même chose que pour la péridotite sèche, mais pour une péridotite hydratée, on s'aperçoit que les conditions de fusion partielle d'une péridotite hydratée ne sont pas les mêmes que les conditions de fusion partielle d'une péridotite sèche. Une péridotite hydratée, c'est quoi? C'est par exemple les serpentinites. Ce sont les péridotites qui, au contact de l'eau, ont fait des réactions chimiques de type métamorphique et ont fixé un radical OH, hydroxyle, et on dit qu'elles sont hydratées. Cela ne veut pas dire qu'elles sont mouillées, ça veut juste dire qu'au contact de l'eau, elles ont réagi et elles ont fixé un oxygène et un hydrogène dans leurs minéraux qui font qu'elles n'ont pas exactement la même composition chimique que les péridotites sèches. Et comme elles ont des compositions chimiques différentes, les péridotites sèches d'une part et les péridotites hydratées, elles n'ont pas exactement les mêmes conditions de fusion partielle. Et donc, selon les conditions de pression et de température, une péridotite sèche pourra être solide, tandis qu'une péridotite hydratée pourra éventuellement être partiellement fondue. Ce qu'on remarque, c'est que la courbe bleue ici représente le solidus hydraté d'une péridotite, donc d'une péridotite hydratée. Et ce qu'on voit, c'est que pour une même profondeur, par exemple 80 km, la température de fusion partielle d'une péridotite hydratée est d'environ 700 degrés, tandis que la température de fusion partielle d'une péridotite sèche est d'environ 1400 degrés. Autrement dit,
lorsqu'une péridotite est hydratée, sa température de fusion partielle est inférieure à celle d'une péridotite sèche. Une péridotite hydratée va donc fondre plus facilement qu'une péridotite sèche. Quand on regarde donc toujours le géotherme dans une zone de subduction et le solidus donc de la péridotite hydratée, on remarque que globalement, entre 80 km de profondeur et 170 km de profondeur, les conditions de température dans une zone de subduction, donc la courbe rouge, permettent d'être dans un domaine où la péridotite hydratée est partiellement fondue. Pour des profondeurs inférieures à 80 km, on est dans le domaine solide, la péridotite hydratée est solide. À partir de 80 km, la température permet une fusion partielle de la péridotite hydratée. En revanche, au-delà de 170-180 km de profondeur, la température est insuffisante pour faire fondre partiellement la péridotite. On a donc une fenêtre ici dans laquelle une péridotite hydratée dans une zone de subduction peut être partiellement fondue. Or, comme on observe des roches magmatiques dans les zones de subduction issues d'une fusion partielle d'une péridotite, cela veut dire nécessairement que dans une zone de subduction, si on a fusion, ce qui est le cas, c'est qu'en dessous, il y a des péridotites qui sont hydratées. Et la nouvelle question qu'on va se poser maintenant, c'est comment expliquer que dans une zone de subduction, les péridotites du manteau soient hydratées, permettant ainsi la fusion partielle et le magmatisme qu'on a pu observer. Voilà pour le magmatisme des zones de subduction.